Bonjour, je m'appelle Jérémy Biaziol, j'ai 41 ans. Le 10 juillet 2019, j'ai fait un AVC au tronc cérébral. Avant l'AVC, j'étais cuisinier, j'étais chef, j'ai vécu assez longtemps à l'étranger, aux États-Unis, 6 ans, en Asie, en Chine précisément, 10 ans, où j'avais un restaurant qui avait une étoile au guide Michelin. Après l'AVC, ma vie a complètement basculé. Les séquelles ont été une paralysie faciale côté gauche, une perte d'audition complète côté gauche, une perte de vision partielle côté gauche semi-hémiplégique. Plus d'oreilles internes, donc ça veut dire plus d'équilibre, vertige, nausée, mal de tête, enfin bref, la totale. Depuis l'AVC, il y a eu différentes phases, dont une phase de dépression intense après l'AVC, car à 39 ans, quand j'ai fait l'AVC, toute ma vie s'écroulait, je perdais tout, le travail que j'aimais, beaucoup d'amis, une partie de famille, l'argent, l'indépendance, la mobilité. Donc c'est quelque chose qui a été très important au suivi de l'AVC. Ensuite, il a fallu tout réapprendre. On réapprend à parler, on réapprend à marcher, on réapprend à sourire, on réapprend à écrire, à penser, à se projeter, ce qui est plus dur. Et puis depuis, je suis sur un projet de développer, pourquoi pas, des cours de cuisine pour des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire transmettre mon savoir que j'ai eu pendant des années pour être sûr que tout ce que j'ai appris pendant 25 ans n'est pas perdu. Voilà. Merci.